C'est beau. Et c'est sur ce magnifique thème chanté de l'écran titre que nous nous retrouvons aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Hooper. Donc avec Lucidity, c'est sorti sur Xbox 360 ou plus précisément sur le Xbox Live Arcade, c'est pas la même chose, et sur PC. Pas de version PS3 prévue. Je trouve toujours ça étonnant qu'un jeu... ce qu'on appelle donc des ovnis comme Braid, hein, précisément, sortent sur une plateforme et pas sur une autre. Je veux dire, quel intérêt a un développeur? À moins, c'est évidemment que Microsoft ait aligné les bifetons pour avoir l'exclusivité, mais pour un petit jeu comme ça, ça m'étonnerait. Donc j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi un jeu comme Lucidity n'est que disponible sur une plateforme et pas sur une autre. C'est le genre de choses qui m'échappent un petit peu. Mais enfin, ce jeu-là, pour l'instant, n'est pas disponible sur le PSN. En tout cas, d'après mes informations. Et donc, ça a été développé par LucasArts. LucasArts, évidemment, c'est pas n'importe qui. Souvenez-vous surtout du début des années 90, sur les micros, tous les vieux point and click ultra connus, que je n'ai pas connus à l'époque, parce que j'étais un consoleux, et que je n'avais pas de PC. J'ai eu mon premier PC assez tard. Donc, ce sont des jeux que j'ai connus bien après, pour la plupart, mais c'était des jeux qui sont devenus cultes au fil du temps. Sinon, récemment, LucasArts, ils nous ont fait Le Pouvoir de la Force. C'est pas la même chose, c'est pas un point and click, ça. Et donc là, l'équipe qui a été en charge de ce Lucidity, c'est la même que celle qui a fait le remake de The Secret of Monkey Island. L'un de ces fameux titres cultes de LucasArts du début des années 90. Allez, on commence directement. On va voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, uniquement disponible en téléchargement. Attention, vous ne le trouverez pas dans le commerce, comme Braid, Flower et compagnie, World of Goo, et tous ces jeux-là qui sont des ovnis vidéoludiques, ce qu'on peut dire. Donc, pour le prix de 800 points Microsoft, ça doit faire entre 9 et 10 euros, hein, si mes calculs sont bons. On commence directement. Et donc, je vais vous le dire de suite, vous voyez. Voilà. J'ai prévu de vous le dire à la fin de la vidéo, mais non, je vais le dire de suite, en une seule phrase. N'est pas Braid qui veut. Voilà. N'est pas Braid qui veut. Parce que ce qui m'a un petit peu déplu dans ce jeu-là, c'est que j'ai eu l'impression que les développeurs, ils ont essayé de surfer sur la tendance du moment, sur la tendance actuelle. C'est-à-dire que la mode actuelle, c'est un petit peu de faire des jeux, des ovnis, entre guillemets, intelligents. C'est-à-dire des jeux comme Braid, c'est-à-dire des jeux qui se démarquent, qui sont atypiques, qui sont originaux, et qui sont plus un concept à eux seuls. Donc voilà, j'ai eu ce sentiment, ça se voit parce que le jeu en fait il n'est pas maîtrisé. Il y a des bonnes idées mais clairement c'est pas maîtrisé quoi. Il y a des gros soucis au niveau du gameplay et d'autres choses. Et c'est en ce sens là que je me dis putain non, ça aurait pu être génial, c'est seulement bien, c'est seulement correct. C'est correct, heureusement qu'il vaut que 9€ parce que bon... honnêtement je vais être méchant mais ça vaut pas plus, ça ne vaut pas plus. Allez, on commence directement, ça vous allez vite comprendre. Voilà, je prends le premier niveau, histoire de pouvoir vous montrer l'introduction du jeu. Il y a très très peu de séquences narratives du jeu, d'ailleurs il y en a zéro. Il n'y a aucun dialogue dans le jeu, pas une seule... Ah si, non, je dis des conneries, puisqu'on a des cartes postales, des choses... Je veux dire, il n'y a pas de séquences narratives dans des cutscenes. On a quelques cutscenes, comme cette intro que vous voyez actuellement, il y en a très peu. Puisqu'en fait, le jeu se dissocie en trois actes, à chaque fois on aura une petite séquence, mais c'est rien, ça dure 30 secondes, c'est vraiment... Je trouve que ça a été un petit peu bâclé. Alors en quoi ça consiste? On va diriger la petite fille que vous voyez sur le lit, qui va s'endormir. Pour l'instant, vous voyez, elle est en train de lire un bouquin. Elle est en semi-réveil, voilà, ça y est. Elle va s'endormir. Ah! Elle a failli s'endormir. Ah, ça y est. Elle s'affaisse. Boum, boum, boum. Ça y est. Elle s'endormit. Et en fait, notre but, ça va être de la diriger dans ses rêves. Ou plutôt dans ses cauchemars. Au début, c'est des rêves et par la suite, on va vite comprendre que c'est en fait un véritable cauchemar que la petite fille est en train de vivre. Pourquoi? Ça, je vais pas vous le dire, mais évidemment, il y a quand même un petit scénario. Vous avez vu qu'il y avait une grand-mère. C'est pas pour rien. Bon, si vous réfléchissez un petit peu, c'est assez facile de comprendre. Petite fille qui me fait beaucoup penser au petit chaperon rouge. Ah, mais écoutez-moi cette petite musique. Magnifique solo de violoncelle. Les deux bons points pour moi de ce jeu-là sont à la fois son ambiance sonore, que des musiques très douces, piano, violoncelle, guitare, vraiment, là c'est presque le perfect. Et évidemment l'esthétisme du jeu, mais au niveau esthétique c'est un petit peu facile parce que, comment dire, moi j'adore, voilà, je peux pas vous dire que c'est pas bien, mais j'ai envie de dire que c'est très bon,
Mais en même temps, c'est un petit peu facile, quoi. C'est un peu toujours la même chose, ok. Des ombres, un petit peu d'encre de Chine à l'arrière. Premier plan, second plan, dernier plan. Un petit peu d'effet de luminosité en haut avec le soleil, les petits halos qui dépassent. Évidemment, mais je veux dire, ça fait toujours mouche. Mais c'est un petit peu la facilité. Voilà ce que je voulais dire. Même si c'est excellent, mais ça j'y reviendrai. Alors comment ça se passe? Donc vous voyez que Sophie elle avance toute seule. Et oui, c'est ça la particularité, c'est qu'on ne peut pas la diriger. En fait, elle va avancer de gauche à droite inexorablement. Voilà, elle trottinera toujours comme ça. Elle va toujours aller à la même vitesse. Elle ne sautera jamais d'elle-même. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer des objets, des pièces sur son passage pour lui permettre d'éviter les pièges et d'avancer. Là, vous voyez qu'elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'elle ne peut pas grimper ça, c'est trop haut. Donc, je vais me servir de la pièce que je peux bouger actuellement. Vous voyez, tout ce que je peux bouger, c'est la pièce à l'écran. Ça, c'est en fait un espèce de ressort. Donc là, évidemment, c'est le premier niveau, ça fait office de tutoriel. D'ailleurs, ça nous l'explique. Appuyez sur A pour placer la pièce actuelle. Je vais donc la placer ici. Et hop, miracle, elle a sauté. Et voilà, on va devoir placer comme ceci des pièces. Alors, on n'est pas limité. On peut en placer comme ça à l'infini. Mais on ne pourra pas les choisir. Voilà la grosse particularité. Vous le voyez en haut à droite, à chaque fois qu'on met une pièce, sauf là évidemment c'est le premier niveau, mais par la suite on aura plusieurs objets différents. Et à chaque fois, ça sera généré aléatoirement. Même quand on va refaire un même niveau, c'est généré aléatoirement. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va devoir, comment dire, improviser le chemin de Sophie, la petite fille, puisque c'est son nom. Et voilà, vous avez tout compris. Alors je vous dis bye bye et à la prochaine. Non, je déconne. Bon, on va se faire un niveau un petit peu plus avancé. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas vraiment décidé quel niveau j'allais vous montrer. On va faire ça un petit peu au hasard. Hein. Ça sera plus naturel comme ça. Donc j'en sais rien du tout. Pourquoi pas monsieur l'épouvantail là. Au début de chaque niveau, on a comme ça une note en fait que la petite fille Sophie a écrit. Alors oui, c'est toujours dans le... Évidemment, elle doit être au space. C'est une petite fille, donc c'est l'écriture d'un enfant. Et on le voit, regardez. D'ailleurs, je dois vous avouer que je n'arrive même pas à lire. Hein. Nana, c'est l'un des personnages. Je ne vais pas vous dire, sinon je vais trop vous spoiler, mais enfin, c'est facile à comprendre quand on fait le jeu. Ne inquiétez pas. Hein. Même moi, j'ai compris, c'est vous dire. Nana, je ne vous lis pas. Allez, le monte et descend tellement les escaliers... Elle devrait... Putain, j'arrive pas à lire. Les escaliers, elle le devrait. J'arrive pas à lire. Les escaliers... Me construire mon propre escalier. Que je devrais... Les escaliers que je devrais me construire... Oh, putain, c'est compliqué. Donc, Nana... Non, mais écoutez, je n'arrive pas à lire. Je comprends pas. Je vois un D apostrophe, moi, donc... Alors, vous me direz si vous comprenez. Moi, Nana... Des apostrophes, que le monte et descend. Non, je n'arrive pas à lire, je suis désolé. Mais bref, voilà, c'est écrit avec une écriture d'enfant, quoi, vous l'avez compris. Et donc, voilà, le but, ça va être d'éviter... Regardez là, par exemple, si je ne fais rien, regardez ce qui va se passer. Si je ne place aucun objet sur l'écran. Forcément, elle avance. Il y avait... Ah, là, ok, d'accord. Elle s'est seulement fait toucher parce que... En fait, ah oui, il faut que je vous explique ça également. Quand on se fait toucher, elle ne meurt pas directement. En fait, si on a chopé une luciole juste avant, elle ne va pas mourir. Ah, par contre, elle est bloquée, donc ah putain, ça c'est con. Là, par exemple, regardez, elle est bloquée. Pour la faire sortir de là, je suis obligé, je peux tenter ça, mais ça ne va pas la faire sauter assez haut. Ça ne va pas la faire transpercer la planche de bois. Donc, il va falloir que j'utilise, voilà, ça, le ventilateur, qui a la particularité, voilà, de pouvoir, en fait... transpercer carrément les murs. C'est un petit peu débile, c'est pas très très logique, mais c'est comme ça. Donc bref, je reviens quand même parce que c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte? Ah putain, elle est encore Keblo, c'est pas possible ça. Allez, grimpe là, voilà. Donc elle n'est pas morte parce qu'elle avait en fait en elle des lucioles. Parce que vous l'avez peut-être vu, dans les niveaux, là, pour regarder en bas, il y a deux lucioles. Elles sont vertes parce que ce sont des lucioles que j'ai déjà récoltées auparavant dans une précédente partie. Et les lucioles que je n'ai pas encore eues, elles sont en jaune, voilà. Vert celle que j'ai déjà eue, jaune celle que je n'ai pas encore eue. Là, regardez en haut, il y en a une qui est jaune, une qui est verte. Ça veut dire que j'en ai une qui va se rajouter au compteur en bas. Et maintenant, je peux me faire toucher une fois. Voilà, je me suis fait toucher, là, vous voyez, je ne suis pas mort. Parce que j'avais chopé une luciole. Mais maintenant, si jamais je me refais toucher, je mourrai. Sauf si je récolte encore une luciole. Voilà le truc. Quand on réussit
avoir une luciole, on peut se faire toucher une fois. Et quand on se fait toucher une fois, il faut encore récupérer une nouvelle luciole si on veut ne pas mourir au prochain contact que l'on aura avec un ennemi. Voilà grosso modo pour cette histoire d'ennemi. Et voilà, vous avez à peu près tout compris. Donc après, on place tout simplement les pièces sur le chemin de Sophie. Là, évidemment, c'est assez facile, c'est les premiers niveaux. Donc alors, on peut mettre un escalier pour la faire grimper. Ça, c'est un lance-pierre, ça va la faire propulser vers l'avant. Ça, c'est un ventilateur pour la faire aller vers le haut. Ça, c'est un espèce de bloc classique à la Tetris, comme ça. Ça, c'est un petit trampoline, ça va la faire sauter. Encore un bloc pour la faire tirer là. Le lance-pierre pour la faire propulser. Et voilà, vous avez tout compris. Et là, on est arrivé à la fin du niveau. Ce qu'on voit tout à fait à droite, c'est en fait c'est une boîte aux lettres. Parce qu'à la fin de chaque niveau, on va récolter une carte postale envoyée par Nana. Mais qui est Nana? Ça, vous le saurez. Je ne vais pas non plus tout vous dévoiler, mais vous le saurez en faisant... En achetant le jeu, plutôt. Voilà, une carte postale classique, on peut même la retourner pour un peu ce qui se cache derrière. Et donc, c'est Nana qui nous écrit. « Chère Sophie, tu te souviens comment monter les escaliers ensemble? Maintenant, le temps a passé et je suis trop vieille pour faire ça, mais je me réjouis de voir que tu t'amuses toute seule. » Là déjà, vous avez un petit indice sur qui est Nana, avec la grand-mère du début, hein, sur son fauteuil à bascule. C'est pas bien compliqué. Et donc voilà, niveau fini. Les niveaux sont extrêmement courts. Et donc en fait, l'intérêt, l'objectif de ce jeu, il est double. Ah, vous voyez que là, j'avais récupéré 4 nouvelles lucioles qui se sont rajoutées en bas. Maintenant, il ne m'en manque plus que 3, vous voyez, juste à côté du titre du stage, M, l'épouvantail, on voit 3. Quand je vais maintenant récolter 3 nouvelles lucioles, ça va me débloquer un nouveau niveau, parce qu'il y a également des niveaux bonus. En fait, il y a 27 niveaux, on fait tous ces niveaux-là, on les débloque au fur et à mesure, quand on finit, on débloque celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, etc., 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 pour arriver à la fin du jeu ici. En tout, ça fait 27 niveaux, mais il y a également des niveaux à débloquer, comme celui-ci, d'ailleurs, que je n'ai pas encore fait. C'est pour ça que ça clignote, on la fera tout à l'heure. Ça sera une découverte totale, et peut-être même 2 découvertes totales, puisqu'à mon avis, je vais probablement réussir à récolter 3 lucioles de plus, ce qui nous permettra de débloquer un nouveau stage. Et donc bref, 27 stages de base, plus 16 à débloquer, ce qui fait, je crois, 43 en tout. C'est pas énorme, parce qu'encore une fois, ils sont extrêmement courts. Je vais vous montrer un autre level, histoire de vous montrer autre chose, parce que bon... Oui, donc voilà, je vais vous expliquer que l'objectif du jeu est double. Premier objectif, en gros, c'est réussir à faire aller Sophie jusqu'à la fin du niveau sans encombre, sans la faire tuer par les éléments du décor, des ennemis ou autre chose. Et le second objectif, c'est évidemment de récolter toutes les lucioles de chaque niveau. Par exemple, regardez, ce niveau-là, luciole restante, il me manque 41 à choper dans ce niveau. Dans celui-là, 40, dans celui-là, 43, dans celui-là, 34, là, 19, là, 35, là, 25, ainsi, etc., etc., etc. En fait, il n'y a que 3 niveaux où j'ai réussi à les récolter tous. Le premier niveau, c'est logique, je crois qu'il n'y en a pas, ou il doit y en avoir une ou deux. Le dernier niveau, c'est logique également, parce qu'en fait, c'est même pas un niveau, c'est juste un niveau où on doit seulement récolter les lucioles, il n'y a aucun ennemi. D'ailleurs, c'est un petit peu bidon, ça, franchement, c'est un petit peu honteux pour un dernier niveau, excusez-moi les développeurs. Et ce niveau-là, on le voit parce que les étoiles sont totalement dorées. Et voilà, vous savez tout. Il y a très très peu de... Ouais, c'est... Comment, ça m'a pas extraordinairement plu parce que c'est un jeu qui est un petit peu petit bras. C'est, voilà, je vais vous faire un autre level, je sais pas trop quoi vous faire, peut-être celui-là, et hop, tous les cerfs-volants. Il doit y avoir 4 ou 5 environnements différents hein, à chaque fois. Je me demande si les escargots se sentent seuls dans leur coquille. Ils ne peuvent jamais aller dormir chez leurs grands-parents. Eh oui. Oui, chez leurs grands-parents, ça encore une fois, ça vous donne un indice sur quel sujet elles rêvent. Voilà. Attends, je vous laisse un petit peu écouter la musique, qui est vraiment pas mal. Là. Alors évidemment, si on veut, on peut placer les pièces avant, hein. Regardez, je peux les mettre où je veux, hein. Je ne suis pas non plus cantonné à les mettre seulement quand Sophie va arriver au moment précis. Non, on peut les mettre où on veut, quand on veut et en quantité infinie. Voilà, sauf que là, elle est bloquée. Alors, pour l'instant, on s'en moque un petit peu qu'elle soit bloquée. Mais dans toute la seconde moitié du jeu, quand elle sera bloquée comme ça, il faudra très 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 vite la délivrer
parce qu'il y aura en fait, on peut dire, le cauchemar profond qui arrivera par la gauche, et en fait, on n'aura que quelques secondes pour la délivrer, sinon, ça sera fini. Elle mourra, ça sera le game over. Alors là, par exemple, regardez, je vois que mon prochain item, en haut à droite, ça sera une bombe. Donc, par exemple, je vais placer cet item ici. Les bombes, c'est clairement le meilleur item du jeu parce que ça a plusieurs fonctions. Contrairement à tous les objets qui ont leur fonction propre. Les bombes, non seulement, ça peut exploser tous les éléments du décor. En fait, ça peut faire des brèches, histoire de faire passer Sophie. Mais en plus, ça peut tuer les ennemis. Et en plus, ça sert à rien. Par exemple, si je la fais exploser ici, ça propulsera Sophie dans les airs. Donc voilà. La bombe, c'est excellentissime. D'ailleurs, je trouve même dommage qu'il n'y ait pas plus d'items comme la bombe parce que les autres, ça sert. Voilà, l'escalier, c'est pour monter. Le ventilateur, c'est pour faire aller en hauteur. Le trampoline, regardez la bombe. Hop. Le trampoline, c'est pour faire ça. Le lance-pierre, putain, vite, je vais aller en bas pour essayer de la récupérer. C'est bon. Bon, généralement, il faut toujours essayer de la récupérer avant qu'elle tombe parce qu'en bas, il y a toujours des ennemis, des crevasses. Il y a toujours des trucs qui vont pas. On va faire en haut. Donc voilà, vous avez compris. L'objectif est double. La faire parvenir à la fin sans encombre, sans qu'elle meure. Également, regardez en haut par exemple, il y a plusieurs lucioles. Ah putain, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis bien planté là. Également, donc récolter toutes les. Alors, regardez en haut, je vois qu'il y a des lucioles. Souci, c'est que pour réussir à la faire arriver là, je dois absolument avoir une bombe. Ah voilà, j'en ai une là, tiens. Regardez. Je fais exploser ça. Elle est allée dedans. Elle a récupéré 4 lucioles, vous avez vu. Voilà. Ah, vous voyez également, regardez en haut à gauche, c'est un emplacement dans lequel on peut, regardez, on peut garder en fait un item pour la suite. Par exemple, si je veux, je peux garder cet escalier pour la suite. Donc là, par exemple, pour sortir de là, je suis obligé d'avoir soit le ventilateur qui me permettra de dépasser, de transpercer le mur. C'est un petit peu con, mais c'est vrai. Ou alors, regardez, là j'ai un ventilo, ça me permet. Ou alors, évidemment, la bombe qui m'aurait permis de péter le mur. Et voilà, on va déjà arriver à la fin du niveau. Hop, on va mettre l'escalier pour être sûr qu'elle ne glisse pas, même si elle ne peut pas glisser, ça je le sais. Et on arrive déjà à la fin du niveau, elle va découvrir la nouvelle carte postale. Voilà, vous avez tout compris. Chère Sophie, quand j'étais petite, ma mère me disait que chaque étoile est l'âme d'une personne morte. Cela me semblait être une existence merveilleuse. On continue. Et normalement, tiens, puisque j'ai eu 4 lucioles, je vais pouvoir débloquer un nouveau niveau, un nouveau stage. Regardez, 3, hop, normalement, voilà. Un truc se met là-bas. Et voilà, j'ai débloqué un tout nouveau stage. Et le compteur se remet à 100. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi à chaque fois le compteur revenait sur 100. Je veux dire, il aurait été plus logique de mettre, par exemple, le maximum de lucioles. Je crois que c'est 2200 et quelques. En tout, dans le jeu, il y a 2200 et quelques lucioles. Ça aurait été plus logique de mettre le compteur avec toutes les lucioles. Et au fur et à mesure qu'on les trouve, ben, le compteur diminue. Là, le compteur, il commencera à 100. Et en fait, c'est quand on va découvrir 100 lucioles que l'on pourra débloquer un nouveau niveau. Là, par exemple, il me manque 99 lucioles pour débloquer le prochain niveau. Sachant que là, j'en ai débloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai débloqué 7 sur les 16. Donc, vous voyez comme quoi j'ai encore du boulot. Hein. Au niveau de la durée de vie, si vous voulez seulement atteindre la fin du jeu en vous fichant complètement des lucioles, honnêtement, c'est pas plus de 2 heures. Hein. J'ai dû mettre 2 heures pour parvenir à la fin du jeu. Mais après, évidemment, si vous voulez débloquer tous les niveaux ou attraper toutes les lucioles, franchement, 10 heures minimum. Une dizaine d'heures de jeu, c'est le minimum ça. Voilà, je vais vous faire un niveau beaucoup plus avancé quand même, histoire de vous. Un niveau extrêmement dur, piégé. C'est l'un des niveaux les plus difficiles du jeu, vous allez voir en quoi ça consiste, un niveau très dur. Je ne sais pas pourquoi, mais parfois je me mets en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais sans Nana, je me sens comme une petite souris perdue dans un labyrinthe. Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là pour m'aider? Là évidemment, on a un gros élément du scénario qui se dévoile à nous. Ah voilà, putain, alors ce niveau-là, c'est un truc de psychopathe. Hein. Tout est bloqué partout, faut faire super gaffe, il y a des ennemis partout. Là, je vais essayer de tuer cet ennemi avant qu'il me touche, je l'ai eu. On va essayer de la faire grimper en haut, ça servira à rien. On va mettre l'escalier ici. Là, on va la faire passer. Ah putain, j'ai pas réussi. Attendez, voilà, elle va sauter. On va péter ça. Ah putain, elle est redescendue. Là, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon cauchemar est en train d'arriver par la gauche. Ouh là là, j'étais là, il a presque failli me tuer. Oh putain, là, il vient de toucher lui. Ah, je pouvais rien faire parce que j'ai pas de bombe. Donc j'ai vite me débarrasser de tous mes items pourris. Ah putain, il faut vite qu'elle monte là. On va la mettre ici. Voilà, vas-y, monte là. Allez, vas-y, monte encore là. Ouais. On va la faire propulser. Ah, je me suis raté. Ah, je joue mal là. Franchement, je joue mal.
ça m'énerve un petit peu. Voilà, là elle va être là. Allez, on va la voir. Vas-y, descend. Non, pas trop quand même. Oh putain, non. Ah putain, vite là, il me faut fumer une bombe. C'est pas grave, il va disparaître. Voilà. On va la faire aller en haut. Ça, on s'en moque, ça me servira à rien. Ça me servira à rien. L'escalier, ça me servira à rien. Putain, vite! Allez! Ça, on va l'utiliser. On va l'utiliser quand elle sera là. Ça me semble pas trop mal. Ah putain, il va me toucher. Non, c'est bon. Vite! Oh putain, non, saute! Et voilà. Je suis mort. Je suis mort parce que j'ai pas réussi en fait à choper une luciole. Allez, monte en haut. À choper une luciole. Allez, monte encore en haut. À choper une luciole avant de me faire retoucher par un ennemi. Vous l'avez compris, quand on se fait toucher deux fois par un ennemi sans prendre de luciole au préalable. Ah putain, vas-y, descends là. Ah, je joue super mal, hein, je suis désolé, mais vraiment. Après, t'as. Oh putain, vite. Allez, descends. Ah non, tu veux pas descendre. Si, allez, descends, t'es obligé là. Allez, ah non, putain, il me fout une bombe maintenant. Ouais, voilà, il m'a encore touché. Oh, c'est pitoyable. Attendez, je retente un coup parce que là, c'était juste honteux. Allez, viens par là. On va garder la bombe pour plus tard. Je la... ah, avec le bouton B, je viens de la garder. Putain. Oh, quel con. Ah, splendide, je joue comme une véritable buse. C'est honteux. Ma prestation est honteuse debout. Ah, putain, là, on va la faire grimper en haut, même si ça servira à rien, je pense. Et ouais, forcément. Allez, on peut péter le monstre. Vous voyez, voilà, il faut réagir très vite. C'est ce que je fais très mal pour l'instant. Il y a un monstre, si jamais il revient, j'aurai de quoi le tuer. Sauf que là, il y en avait en bas. Oh putain, non, j'ai utilisé la bombe, là. Ça vous montre un petit peu ce que c'est un niveau difficile. Oh putain, la pampe. J'ai utilisé la bombe, je croyais que j'avais eu le monstre, mais je ne l'avais pas eu. J'essaie de me concentrer un petit peu. Là, on va la faire surélever. Allez, vas-y, là. Allez, vas-y, mais putain, je joue super mal. Ah, c'est difficile aussi avec le joystick, parce que parfois... ça se met pas forcément où l'on voudrait exactement. Là, il me faut vite une bombe. J'ai eu de la chance d'en avoir une. On va. Allez, il me faut une bombe là. Non, oh, quel con! Mais que je joue mal! C'est pas possible! Alors, je vous assure, ça m'énerve de jouer comme ça. Hein. Allez, dépêche-toi d'avancer là. Dépêche-toi d'avancer. Allez! Oh putain, elle s'est fait quand même toucher. Ça servit à rien. Allez, saute. Putain, j'ai que des items de merde. Je veux pas l'escalier, ça me sert à rien tout ça. Allez, grimpe. Allez, grimpe. Mais grimpe. Ah putain, c'est pas possible. Attendez. Voilà, là c'est pas trop mal. Là, je suis dans la merde là. Il y a mon cauchemar qui est en train de me rattraper. C'est bon, j'ai eu de la chance. Ça, on va le garder. Allez, va en bas. On va la faire aller ici. Là, on va mettre l'escalier là. Pour prévoir à toute éventualité. Ça, on va le mettre ici, on sait jamais. Ça me servira à rien. La bombe, on va la garder. Ça, putain, ça me sert à rien, encore une fois. Si, vas-y, monte. Vas-y, monte. Allez, vas-y, encore un petit coup. Allez, c'est bon, là. Voilà, c'est pas mal. Ouh, la bombe, vite. Bien joué. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Enfin, j'ai fait... je viens de faire 20 secondes correct, là. Je viens de faire 20 secondes plutôt correct. Non, elle va tomber. Oh, putain. Allez, remonte, là, tu peux remonter encore un petit coup. Allez, encore un petit coup, ça, tu vas pouvoir y arriver. Non, je suis dead, c'est sûr. Il me faudrait une bombe. Ah putain, il me faudrait une bombe, mais j'en ai pas. Si, c'est la prochaine, mais c'est trop tard. Ah. Voilà, vous avez un bon aperçu. On va quitter ce niveau, il est trop énervant. J'ai joué super mal, je suis vraiment désolé. Je voulais jouer un petit peu mieux que ça et je vais vous montrer notre... Ah oui, voilà, ces niveaux-là, ils sont pas trop mal, là. Plongeons dans le sommeil profond, l'obscurité. On va être plongeons dans le sommeil profond. Je crois qu'on est dans la mer. Il y a des poissons partout. Enfin, on n'a pas l'impression d'être dans la mer, mais étant donné qu'il y a des poissons partout, on a un petit peu l'impression d'être dans la mer. Voilà, on va mettre ça là. T'as regardé en haut là, il y a deux lucioles que je n'avais pas encore eues. Voilà, je les ai eues. Donc maintenant, l'objectif, c'est de parvenir indemne à la fin du niveau. Sauf que là, putain, je vais encore jouer comme une. Non, c'est bon, j'ai réussi à tuer le monstre. Sinon, je me serais fait toucher parce que regardez en bas. Vous voyez que mon icône des lucioles clignote. Ça veut dire que là, il faut absolument que je récupère encore au moins une luciole. Sinon, si je me fais toucher... Allez, bon, c'est bon, voilà, regardez. Hop, maintenant, ça ne clignote plus. Maintenant, je peux me faire toucher une fois. Vous avez compris pour le coup de comment on peut mourir si on se fait toucher. J'ai joué mal, là. Je ne sais pas, ça j'aurais dû faire. J'ai gardé la bombe.
On va le mettre là. Ça. Allez, hop, viens par là. On va attendre qu'elle soit là. Oh putain ! Et ouais, et putain, comment tu veux deviner qu'il y avait un truc en dessous ? Si seulement on pouvait bouger le scrolling nous-mêmes aussi, on pourrait vraiment prévoir les actions. Mais là, on ne le peut pas. C'est-à-dire que, regardez, par exemple, je peux pas le faire, là, sinon je vais crever. Attendez. Regardez, si je veux... Non, je peux pas, là. Attendez, je vais attendre, là. Là. Si je veux aller là-bas, regardez, tout à droite, je peux pas, je suis bloqué. Oh putain, j'aurais pas dû faire ça. Oh putain. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Là, évidemment, si je tombe dans le truc en bas, là, on meurt direct. Hein. Là, c'est pas trop mal. Ah putain, ça va être chaud, là. Ah, non, c'est bon. Là, il y avait rien du tout en bas. Ah, c'est bon, je suis pas revenu à la fin du niveau, là. Par contre, je sais pas si j'ai récolté ici deux au moins. J'ai dû récolter au moins les deux du sol du départ. Chère Sophie, n'arrête pas maintenant, Sophie. Tu ne dois pas laisser le chagrin te submerger. Tu te souviens quand nous grimpions au sommet de la vieille colline? C'était un vrai défi, cette balade. Mais la rue du sommet valait bien le coup. Garde la tête haute et continue d'avancer. Toujours des conseils de la part de Nana via les cartes postales. Mais qui est Nana? Qui est Nana? Vous le saurez en achetant le jeu. Voilà, pas trop quoi vous montrer d'autre. Enfin, voilà, on va faire les niveaux que je n'ai jamais fait pour vous montrer. Voilà. Donc voler roue. Qu'est-ce que c'est que ça? Voler. Ah non, voler ou mourir. D'accord. Il y a un espace entre le R et le O. Voler ou mourir. Voilà, découverte totale. Et je crois que je vous ai tout dit. Ouh là là, niveau très... Ah oui, parce que je crois que tous les niveaux bonus, en fait, sont dans... Là, franchement, c'est limite mal fait, quoi. Sérieux, quoi. Je suis désolé, hein. Peut-être qu'ils ont voulu se donner un style, je ne sais pas, mais franchement, c'est quand même assez moyen. Ouh là, c'est chaud, là. Il me faut... Non, pas ça. Oh putain, trop tard, je me suis fait toucher. Là, je peux plus me faire toucher si c'est bon, parce que je viens de ramasser une luciole. Ouh là là, il a l'air chaud, ce niveau-là. Ah ouais, mais attends, comment tu veux ne pas te faire toucher, là? Eh, je suis mort, là. Là, il est chaud, ce niveau. Franchement, graphiquement, c'est quand même très, très, très moyen. Hein. Franchement, hein. Autant les premiers niveaux, ça va, quand on est dans l'ambiance de la ferme, là, avec les champs de blé et compagnie, c'est plutôt joli. Autant plus on avance, honnêtement, j'ai l'impression que plus c'est moche. Hein. Là, honnêtement, ce niveau-là, je suis désolé, quoi. Ça aurait presque pu sortir sur 16 bits, quoi, que ça m'aurait pas... Mais putain, c'est super chaud, là! Oh la vache! Sérieux, c'est super chaud là! Truc de fou! Attendez, je vais essayer de faire gaffe. Alors, ça, on va le mettre là en bas pour nous laisser prendre de l'avance. Voilà, ici. Là, on va mettre l'escalier ici. Ah non, putain, pas comme ça! Mais putain, comment tu veux ne pas te faire toucher là? Oh putain, c'est chaud là. Je vais le mettre là. Ah non. Ah, c'est super chaud, sérieux. Comment faire? C'est chaud là. Je vais garder la bombe. En fait, il me faudrait un autre item. Et putain, j'ai que des items de merde! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Je suis obligé de la crever. Ah, quoi, d'accord. Sinon, ça y est, j'ai compris. En fait, il faut réussir à choper une luciole à chaque fois. J'ai l'impression qu'on est presque obligé de se faire toucher. Le but, en fait, c'est surtout d'avoir une luciole. Ah putain, mais non, je suis planté, c'est pas possible. Là, par exemple, elle va choper la luciole, elle va se faire toucher, mais on s'en fout. Ah ouais, mais elle se refait toucher par la suite. C'est chaud, là. Mais putain, ça fait trois fois, je le fais tout. Eh, mais ça fait... Oh putain, allez, prends la luciole, toi. Et là, c'est pas mal, là. Là, je vais essayer de la faire bouger. Oui, ça, c'est pas mal, là. Allez, non! Putain, je voulais la faire aller en haut! Mais putain! Vous voyez que c'est quand même prise de tête comme jeu. Ah, il faut être motivé, il faut avoir de la patience et il faut être persévérant, ça c'est certain. Ah, imaginez le mec qui veut... Ah, attendez, je crois que j'ai compris, là, tiens. En fait, il y avait également un passage vers le haut. C'est peut-être une bonne idée. Trop tard, je vais me faire toucher, là. Ça serait peut-être une bonne idée d'y aller, là. Ah putain, je suis obligé de me faire toucher, là. Regardez, il y a un passage en haut, donc je vais attendre d'avoir le bon item, là. Voilà, ça par exemple. Ah putain, mais non! Non, non. Ah, c'est ça qu'il me faut.
Eh ouais, c'est ça qu'il me fallait, mais elle s'est fait retoucher. Vous voyez, parfois il faut vraiment avoir l'item que l'on souhaite. Là, par exemple, là j'ai le bon item. Là, j'ai le bon item. Je vais l'utiliser ici. Elle va pouvoir s'envoler au-dessus du truc. Ah putain, elle a pas été assez fort. Ah putain, ouais, mais là. Et là, évidemment, elle va y aller trop fort. Elle a touché les ennemis qui étaient en haut. Là, honnêtement, je crois que c'est vraiment un passage chaud là. Alors attendez, on va tenter. Là, comme ça. Ouais, mais non, elle va se faire toucher par les piquants. Mais putain, non! Allez, dernier coup. Dernier coup parce que ça me saoule. C'est bon, je vais pouvoir le refaire. Bon, alors voilà. Allez, va. Oh putain, je l'ai mis trop à gauche. Oh putain, c'est pas possible. Putain, comment tu veux faire, sérieux? Ah, je suis mort là. Quoique. Quoique, oh putain, il faudrait vraiment jouer comme un god. Ah ouais, elle se fait quand même toucher. Ah, c'est bon. Ah putain, mais elle se fait toucher deux fois. Bon, allez, ça me saoule. Voilà, là vous avez un bon aperçu de ce que peuvent être les niveaux dans le contenu hard, entre guillemets, du jeu. Franchement, esthétiquement, il y avait quand même moyen de faire mieux. Je suis désolé. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis les bouchées doubles, surtout pour la première moitié du jeu. Mais après, par la suite, et puis bon, ça se répète quand même beaucoup. Je peux vous montrer un niveau pas d'or. Allez-y avec Audace, il est pas mal, il est assez joli. Je crois que c'est la nuit. Quand je lis un livre, j'entends ta voix, que j'entends la voix qui le lit avec moi. Non, j'entends ta voix qui le lit avec moi, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Vous voyez, à gauche, on a encore notre cauchemar qui nous poursuit, hein. Vous avez compris le principe, je vois pas. Je réfléchis si j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je ne crois pas. Je crois que tout est là, hein. Vous avez compris le principe. Réussir à mettre, improviser à chaque fois avec les objets qui apparaissent dans la case. Voilà, comme ceci, vous voyez. Donc les niveaux sont courts, par contre ils sont extrêmement vastes au niveau vertical, hein. Ça vous l'avez vu. C'est que horizontalement ils sont très courts, mais vous avez vu qu'on peut aller en haut, on peut aller en haut, en bas, ils sont. Sont très 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 grands verticalement. Voilà, là c'est pas trop mal. Vas-y, avance, 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 plus vite, plus vite. Mais putain, tu voyais pas que il est en train de te toucher là. Je vais garder cette bombe. Là c'est pas trop mal. La bombe, on va la faire propulser vers le haut. Allez, descends, dépêche-toi. Voilà, c'est pas mal. On va la faire propulser. Un petit escalier. Ça, on va le mettre là. La bombe, on s'en fout. Ça, on va le mettre là. Ici. Eh ben attendez, il y avait un paquet de lucioles ici que j'avais complètement oublié de récupérer, hein. Regardez-moi ça, j'en ai déjà 16. Par contre, attention, il n'y a pas de checkpoint. Oh putain, vite, vite, vite. Il n'y a pas de... Oh putain, non. Oh putain, j'étais à la fin. Ah, c'est bon. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de checkpoint. Quand on meurt même à la fin du niveau, on recommencera le niveau du début. Sans les lucioles, évidemment, qu'on avait précédemment acquis. Je crois que là, j'en ai récolté 19, dis donc. Chère Sophie, une citation de mon poète favori. Quand, pour la dernière fois, tu fermes la bouche, tes paroles et ton âme appartiendront au monde du non-lieu et du non-temps. Attendez, je vais essayer de comprendre cette citation, n'est-ce pas, de son poète favori, Anana. Hein. Quand, pour la dernière fois, tu fermes la bouche, tes paroles et ton âme... Oui, c'est quand tu meurs, en fait, si je comprends bien. Tes paroles et ton âme appartiendront au monde du non-lieu et du non-temps. Du non-lieu, oui, ben, ouais... Étrange comme citation, n'est-ce pas? Voilà, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Voyons, 95. Ça va diminuer. Voilà, 75. Ah, j'en avais eu 20. Ah putain, mon café est froid. Ah, un petit café, hein. À la vôtre. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Mais écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Voilà, je vais faire l'autre niveau que je n'ai jamais vu. Mieux vaut tard que jamais. Donc logiquement, ça devrait être un niveau souterrain, sous la terre, comme tous les autres. Alors moi, voilà, je m'en doutais. Franchement, graphiquement, c'est assez moyen. En fait, ce jeu, c'est une espèce de mélange de Lemmings, parce qu'on ne peut pas directement bouger le personnage principal, l'héroïne, et de Tetris, parce que les blocs, ils arrivent complètement aléatoirement. Donc c'est vrai que c'est un bon concept, mais je crois quand même que ça existait. Oh putain, vas-y, descends là. Voilà, là tu vas choper ça. Oh putain, toi tu vas... Je vais exploser cet ennemi pour être sûr. Voilà, j'ai encore une bombe, c'est magnifique. Je vais l'exploser pour être sûr pour la suite. Ah, une bombe, je vais la garder. Oulala, ça a l'air d'être niveau assez chelou ça.
Ouais, apparemment, la difficulté de ce niveau vient surtout de réussir à récolter. Oh putain, je suis planté. De récolter toutes les lucioles et pas d'arriver à la fin. Ah ouais, pourquoi elle a pas voulu là? Ah d'accord, ça c'est un mur qu'on ne peut pas péter. Les murs. Ah putain, vite. Ouf, j'ai eu de la chance là. J'ai bien fait d'interagir avec. Oulalalala, c'est chaud là, attendez. Vite. Non, c'est pas ça que je voulais. Oulalalala, attendez là. Comment il veut que je fasse là? Alors là, par là, c'est vraiment le bordel. Vous voyez, des niveaux comme ça, j'en ai déjà eu par exemple, vous voyez. C'est au moins le troisième niveau que je fais comme ça. Donc il y a vraiment du j'ai envie de dire du ressort. Ah putain, non! J'ai trop mal joué. J'ai trop mal joué. Oh, on arrête là. C'est un niveau de merde. Sérieux. J'ai l'impression que les niveaux bonus, ils sont vraiment pourris. Honnêtement, ils se ressemblent tous. Franchement, je préfère vous faire un niveau vers la fin. Là, t'es berceau de Luna, là. Encore un. Je crois... Et puis je crois qu'on s'arrêtera là. Hein. Ça fait combien? 37 minutes qu'on est ensemble. Écoutez, vous avez un bon aperçu. Voilà, je vois pas trop ce que... Oh putain, non! Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Ça m'a bien plu. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Je me suis bien amusé. Mais clairement, ça vaut pas du tout Braid, bien sûr. C'est un petit peu moins cher, vu que c'est 800 points Microsoft. Ah putain, là, je peux rien faire. Je suis obligé d'avoir une bombe pour continuer à avancer. Mais c'est pas mal, c'est sympa, voilà. Il y a des bonnes idées, mais ça ne va pas assez loin. Voilà, ça ne va pas assez loin. Là, on est dans un décor... C'est pas trop où on est en fait. Célesto cosmique là. On est au plus profond du cauchemar de Sophie. Là. Je vais garder la bombe. Ah bah j'ai encore une bombe. Deux bombes. Il saute là. Ici. Il monte en haut. Ah putain là tu peux rien. Si, oh putain, attends. Non là tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Raccroche-toi là. L'escalier, je vais utiliser la bombe. Attention. Oh putain. Oh non, j'ai eu de la chance. Là. J'ai cru qu'on allait se faire toucher. Alors on va mettre l'escalier là, la bombe ici, là pour la faire sauter, parfait, ici, pour la faire propulser tout en haut, ah putain, elle a pas réussi, c'était pas assez haut, aïe 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 aïe, vite, la bombe, là c'est pas trop mal, non ça servira à rien, ah non putain l'escalier, c'est bon, j'ai réussi, ouh, in extremis là, oh non, non, c'est bon, il n'y avait pas de ravin, on sait jamais quand on tombe, hein. Donc je vous l'ai dit, les niveaux ils sont très très vastes verticalement, et très très court horizontalement. C'est assez spécial. C'est un concept. Voilà, là tu te mets là. Tu vas sauter en haut. Est-ce que tu vas pouvoir dépasser? Dépasse-le, dépasse-le. Ah putain, t'as pas réussi. Aïe aïe aïe. Il me faut une bombe. Il me faut une bombe obligatoirement. Vite, vite. C'est bon. Voilà, pas mal. Ah non, tu peux rien faire là. Ah putain. Ah putain. Ah, je fais n'importe quoi là. Je fais n'importe quoi. Non! Oh non, c'est pas possible, je suis à la fin là. Allez, vas-y. Non, là, toi, tu peux rien faire avec ça. Tu peux rien faire avec ça. Tu peux rien faire avec ça. Oui, la bombe, j'ai tout explosé. Tombe pas, mais c'est pas possible. Non. Oh non. Non. Ah, mais c'est bon, je vais y arriver. Oh non, où est-ce qu'elle tombe? Oh putain, j'y crois pas. On était à la fin du niveau, vous avez vu, la boîte aux lettres était en haut. Mais je suis passé par le bas et donc je suis mort. Allez, on s'arrête là. Je vous ai à peu près tout dit, mon ressenti global, ce que je pensais du jeu, donc je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Honnêtement, je me suis amusé, voilà, donc je vous le conseille, oui, je vous le conseille, 800 points Microsoft, 9 euros ou 10 euros, c'est pas extraordinairement cher. Bon, ça vaut pas plus, mais ça peut valoir le coup éventuellement, voilà. Maintenant, c'est vrai, pour moi, il est largement moins bon que Braid et d'autres jeux. Ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'on voit bien qu'au fil des niveaux, il y a quand même une espèce de recyclage quand même. Surtout vers la fin du jeu, c'est-à-dire que parfois j'avais l'impression de refaire les mêmes niveaux, avec les mêmes décors. Sauf que la structure du niveau, si vous voulez, avait été agencée différemment, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était pareil, c'était le même truc. Sauf que ce bloc-là, il n'était pas en haut, il était en bas cette fois-ci. Ah, je trouve ça un petit peu limite, voilà. Voilà ce que je veux dire. Je trouve ça un petit peu limite. Également le fait qu'il y ait très peu de cutscenes. Je crois qu'il n'y en a que 3 dans le jeu. Elles durent au moins 30 secondes et pourtant elles sont réussies. Mais il y en a tellement peu. Quoi. Il y en a tellement peu. On est à la limite du foutage de gueule. La fin dure au moins 30 secondes. Et on s'y attend en plus. Et le dernier niveau est une honte également. Voilà, pour tout ça, ça ne peut que être une petite déception. Heureusement, l'ambiance sonore est géniale et l'esthétique du jeu global au niveau graphisme est vraiment bonne, même si, là encore, au niveau de la réalisation, ça aurait pu être plus poussé. On est en 2D, on est quand même sur la 360, on est fin 2009,
ça aurait pu être plus poussé. Parce que je vous l'ai pas dit, ce jeu est sorti début octobre, en fait. Il vient de sortir. Voilà, vous savez tout, donc je vous dis bye bye et à la prochaine.